Guys, après avoir passé le challenge stupide d'avoir dormi 24 heures à la plage, aujourd'hui on est de retour avec un autre challenge stupide, je mange que des fruits pendant 24 heures. Aujourd'hui, et on est le 2 juin, d'ailleurs bienvenue au mois de juin, on mange que des fruits, et la seule exception enfin, que je m'autorise, enfin que je me permets de m'autoriser, c'est de boire du café, voilà. Bon, je vais pas en boire toute la journée, vous en faites pas dans tous les cas si je bois toute la journée du café et que je mange toute la journée des fruits, je vais également passer toute la journée aux toilettes. Ce n'est pas le but. Voilà, le but c'est quand même de se nourrir, de voir ce que ça fait. Voilà. Donc là, j'ai encore rien mangé aujourd'hui. Juste me peser pour voir si je perds du poids entre les 2 jours. Alors, je pense que oui. Bon, aujourd'hui, je pèse 50,01 kg. Ah ouais, 50,05 kg avec la caméra, mais bref, vous avez compris. J'avoue que je sais pas trop quoi penser de ce challenge. On verra bien, on verra si comment je me sens à la fin de la journée. Trop bon. Bon les amis, hier j'ai acheté ce short blanc chez Oysho. Je le trouve magnifique. Genre il est trop beau. Guys, là je vais rejoindre ma tante et mon oncle dans un café en bas de la maison. C'est un petit café italien. En gros, aujourd'hui c'est la fête nationale de l'Italie. Du coup, on va prendre un café dans un café italien. Voilà. Bonne fête à tous les Italiens, s'il y en a qui sont italiens. C'est trop bon. Oui, je te dis. Pas avec l'eau, il me fait tout le souvent. Bon les amis, on est arrivé à la plage. C'est trop bien, je suis trop contente. On va passer la journée ici, regardez. Magnifique. Il fait super beau, super chaud, tout ce que j'aime. Genre vraiment ma meilleure vie. Ah j'adore, je suis trop fan. Hop. On a des petits transats comme ça. Parce que la journée fruits va être plus facile vu comment il fait chaud. Par exemple là j'aurais pas envie de manger un plat chaud. Enfin en vrai, il est midi. On va voir comment ça se passe. Mais je suis trop contente. Genre j'aime trop passer la journée à la plage. Il y a juste un problème, c'est que j'ai oublié mon livre. Mais je pense que je vais aller chercher un moment. Pas vraiment de travail à faire aujourd'hui. Enfin déjà tout fait hier. Peut-être un peu TikTok et tout, mais bon on verra bien. Que j'ai là dans mes mains, le menu et des trucs trop bons hein. Falafel, guacamole, hummus, croustillant de gambas, tartare de thon, burrata. Mais pour moi ça sera assiette de fruits frais. Non en vrai c'est bon les fruits, genre j'aime les fruits, mais c'est vrai que les autres plats ils donnent trop envie. Mais bon on a dit fruits aujourd'hui, c'est fruits. Bon les amis, regardez ce qu'on m'a apporté, ça a l'air trop bon. Ah je vous jure je suis trop contente de manger ça. Genre le raisin et tout, trop bon. Ma tante m'a proposé du poulpe et j'ai dit non. Mais son plat a l'air tellement bon. Mais ça va, moi c'est très bon aussi. Ah, le kiwi jaune là, c'est trop bon. C'est bon, non? Du coup, c'est très bien à manger. Quelle heure? 17h16. Ah il va 17h17 bientôt. Attendez je regarde qu'il soit 17h17. C'est la minute la plus longue de ma vie hein. Voilà 17h17. Hop. Je pense que je vais pas tarder à rentrer. Parce que bah en fait je commence un peu à être rouge. En tout cas la plage c'est trop bien.
J'ai encore envie d'un café, je pense que quand je vais rentrer chez moi, je prendrai un café avec des fruits pour changer. Oui, ça m'a grave calé, après j'ai fait une petite sieste. Là, je commence à avoir encore envie de manger des fruits. Enfin, j'aurais bien mangé autre chose, mais vu qu'on fait une journée fruits, je vais manger des fruits. Bon, les amis, on est au supermarché, je vais acheter des fruits parce que chez moi, il n'y a que des myrtilles et des bananes. Je te donne maintenant pour la petite maison, merci. Là, je vous avoue que j'ai envie de manger autre chose que des fruits. J'ai envie de manger des œufs. J'ai envie de manger du fromage blanc. Je sais pas quoi prendre. Enfin, je vais prendre des fraises, je pense. Et des fraises, c'est good. Je sais pas si on a. Ah, mais là, il y a grave des trucs cool. Le truc, c'est que ça, c'est super cher. Genre, ça vaut 5 balles. Non, c'est mort de chez mort. Moi, je vais prendre des framboises. Framboises, hop. De fruits, alors on a des mangues séchées. Vous avez là, j'ai trop faim, j'ai vraiment super faim. Enfin, oui, j'aime les fruits, j'adore ça, mais là j'ai quand même envie d'autres choses en plus. Des fraises, des framboises et des nectarines. Hop, j'ai envie de mangues séchées parce que j'ai vraiment trop faim. Comment ça souffle ça? En plus, genre, enfin, le pire c'est que j'ai super faim, mais j'ai tellement été inactive. Enfin, une personne qui serait plus active que moi, je pense qu'elle est en train de mourir là. Oh, c'est trop bon. Bon les gars, autant j'ai super faim. J'ai pas de problème digestif ou j'ai pas le ventre gonflé ni rien. Le digestif tout va bien. Ah ouais, les mangues elles font trop du bien. Bon, je vais prendre ma douche et je pense que je vais faire un gros bol avec des bananes, framboises, enfin un peu tout. Ce qui est ouf c'est que j'ai grave envie de manger autre chose que des fruits. Mais en fait, vu que j'ai trop faim, genre les fruits, je trouve ça trop bon. Bon, guys, attendez, c'est mon mauvais profil. Présentation de mon assiette. Alors, je ne sais pas si c'est un goûter, un dîner, un déjeuner. Ou... De toute façon, c'est des fruits. Framboise, nectarine blanche, banane. Bon, j'avoue, j'ai craqué. Je suis faible, j'ai mis du sirop au chocolat sans sucre de chez Prozist. Oui, je suis faible. Voilà, j'ai mis un peu de coco râpé. En vrai, c'est bon. Genre, ça reste bon. Mais j'ai envie d'autre chose. Bon. Concentrons-nous sur le positif. Je mange des fruits. J'adore les fruits. Les fruits, c'est super. Ce repas va me nourrir et me satisfaire. Alors, guys. Fini mon assiette. Et bizarrement, je suis calée. Je n'ai plus faim. J'ai plus envie de manger. Je suis satisfaite. Petit update. J'ai trop faim. Vraiment, j'ai faim. Je sais pas quoi manger. Là, il y a mes copains qui vont venir. Je pense que je vais manger mes fraises. Je vais attendre mes copains pour prendre un café avec eux. Dites-moi s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des journées comme ça où ils mangent que des fruits ou que des légumes. Le problème, c'est que je vais vous dire vraiment moi, mon problème à moi. C'est que j'adore les fruits. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je peux en manger, mais ça me saoule de devoir me lever pour manger des fruits et dans une heure avoir encore faim et de nouveau manger. J'aimerais bien un truc qui me cale et que j'oublie la faim pendant quelques heures. Mais là, je sais qu'avant demain, je vais pas manger de repas consistant et que je vais manger que des fruits. Repas de fruits numéro 50 000 de la journée. Mais comment est-ce que j'arrive à manger des fruits toute la journée et quand même aimer les fruits et pas être écœurée des fruits? En mode, la vérité, c'est que là, je prends grave du plaisir à manger ça. Le seul problème, c'est la faim. Mais c'est trop bon. Vraiment, c'est bon. Peu importe ce que tu manges, ce sera toujours bon parce que bah t'as faim. Attendez, je fais une miniature. Bah, je peux pas parce qu'on voit pas assez mes trucs. Oui, allô? Oui. Très merci beaucoup. On est votre ami! On est licenciés! Félicitations! C'est un honneur de Madame partager ces 3 ans. Évidemment. À la BU, je sais pas ce qu'on aurait fait sans ça, sans 3 ans de passer à la BU. Les amis, on est le lendemain et c'est enfin la fin de ce challenge. Alors hier j'ai mangé juste quand je vous ai quitté la fin des mangues séchées
et des nèfles et c'est tout. Et là j'ai trop faim, je vous jure que la nuit je me suis réveillée, enfin j'avais faim la nuit et tout, le soir j'avais faim, mais en fait j'avais pas envie de manger encore des fruits, ça allait pas me caler du coup. Bon voilà, j'ai pris sur moi. Il est 9h06 et de toute façon bah je vais remanger normalement. Oh my god, qu'est-ce que j'ai hâte. Bref, voilà, en tout cas merci d'être resté sur la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me proposer d'autres challenges un peu stupides, soyez gentils s'il vous plaît. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, bisous guys.